Télépathe, nouvelle boutique. Aujourd'hui, on est le 30 juillet. Je vous rappelle, demain, avant de commencer la boutique, demain, il y a une boutique spéciale musicale. Il y aura des skins, du coup, qui vont arriver dans un nouveau. 3 skins féminins, peut-être même 4. S'il y a un 4e, on n'est pas sûr. Mais qui sera dans la boutique. En vrai, ouais, demain, ce sera une boutique spéciale ambiance musicale, on va dire. Bah, vous verrez bien demain en boutique. Je vous laisse la surprise. Et demain, du coup, il y a le petit événement, entre guillemets, du coup musical au Parti Royal, et pour participer on gagne un petit revêtement qui fait plaisir, qui est créatif en musique, donc c'est plutôt assez sympa. Bref, sur ce, c'est parti pour la boutique, let's go. Du coup, on a quoi en boutique ce soir? Ah, on a un nouveau revêtement, le poisson guerrier. Sinon on a rien de nouveau à part ce skin là, à part ce petit revêtement là. Ok, du coup on a le retour du petit revêtement noir usé pour 300 V-Bucks. Je montre à quoi il ressemble sur toutes les armes, etc. Nous avons également le skin mystique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie ce skin. Avec sa nouvelle custom aussi d'ailleurs. Parce que du coup, il y a eu un nouveau skin similaire avec deux couleurs différentes. Mais ça, je pense que vous avez le cas skin que je parle. Pour 1200 V-Bucks, vous avez également sa petite pioche. Pour 500 V-Bucks. Du coup, on est bon là-dessus. On a le retour de cet ensemble qui est très sympa aussi. Donc, merci ce petit outil de collecte que je veux dire. J'adore ce. Franchement, je kiffe les couleurs. Ça fait plaisir. Son petit retour. Enseigne néon. Pour 1200 V-Bucks. Vous avez également le petit revêtement que tous ceux qui avaient participé au tournoi. Moi, je l'ai eu gratuitement, ce revêtement. Au tournoi qui a eu du coup en février. C'était vers le 2 février, je crois. 2 et 3 février. C'était le week-end du tout début février. On avait un tournoi. Et pour tous ceux qui avaient participé, je me rappelle que j'étais très malade ce jour-là. Genre, plusieurs jours, j'étais plus au lit. Bah, je me suis levé exprès, je me suis forcé à jouer pour pouvoir au moins gagner quelque chose. Donc ce revêtement là, moi je l'ai gagné gratuitement. Mais tous ceux qui n'ont pas participé, évidemment, soit vous l'avez acheté ou soit vous l'avez pas. Mais bref, ce revêtement là était gratuit, y compris la pioche et le skin pour ceux qui ont participé. Si j'étais pas très malade à cette période là, j'aurais peut-être même eu la pioche gratuitement. Mais bon, après voilà, le revêtement il est très sympa aussi, franchement. Ça fait plaisir d'avoir quand même gagné quelque chose, malgré tout. Et également le petit planeur Mark X. Du coup, voilà, très sympa aussi. Brillant, du coup, la nuit. J'aime bien les petites animations des fois qu'il y a sur les planeurs. Par exemple, quand il y a la musique, pendant la nuit, etc. C'est sympathique, franchement. Et bien sûr, le skin qui était aussi, lui aussi, a gagné gratuitement à l'époque. Enfin, quand je dis à l'époque, on dirait que ça fait 10 ans. Hein. Mais non, pas du tout, c'est un février. Bon, moi, je l'ai acheté, malheureusement, parce que j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir jouer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a eu le skin gratuit grâce au tournoi qu'il y a eu en février, du coup. Ça fait plaisir, franchement, ce petit skin, son petit retour. On a également le petit skin frisson. Voilà, à 1500 V-Bucks, qui est très sympa aussi. J'avoue, avec ses ailes qui sont très, très belles, franchement. Regardez-moi ses ailes, les potes. Franchement. En plus, il y a une petite animation. Il y a la neige qui tombe et tout. Ça fait vraiment stylé. Également, sa petite pioche, qui est aussi avec un petit côté, voilà, un peu givrant, également, pour 800 V-Bucks. Et du coup, on est bon sur ce petit ensemble. Le retour du skin Dynamo. Bon, là, je pense pas, j'ai besoin de vous la présenter. Vous la connaissez plutôt bien. Pour 1200 V-Bucks, vous avez également hop, le nouveau revêtement qui est légèrement animé. Oh, ça fait stylé en vrai. Bon, il est pas non plus le plus dingue, mais la petite animation, on dirait vraiment que le poisson est en train de bouger les petites écailles. Oh, ça fait sympathique. On est bien sur le thème du coup aquatique de cette saison. C'est pas quoi sur le pistolet, on voit pas la différence parce que. C'est un petit arme, mais bah, sur l'hélicoptère, ça fait pas grand chose. En vrai, les écailles sont un petit peu là, on voit pas tellement. Sur l'hélicoptère et sur le pistolet flammable, on voit pas tellement vraiment. Mais sur les armes, on voit plutôt bien, donc ça va. En vrai, également le petit Shivomi, dans un petit mode sympathique à faire. Également le skin de retour, le petit skin, l'un des premiers d'ailleurs, skin sur Battle Royale, à 800 V-Bucks, l'exploratrice d'ailleurs. Vous savez les petites poupées pop avec les grosses têtes là. Ce skin là fait partie de cet ensemble. D'ailleurs récemment je me suis acheté une nouvelle poupée pop. Ouais, je collectionne les poupées pop de Fortnite. Voilà, j'ai acheté le Joker. Et d'ailleurs je vais bientôt le skin Galaxy aussi en version poupée pop existe aussi. Je l'ai précommandé, il est pas encore arrivé. Mais voilà, il va arriver bientôt et je ferai peut-être un jour si j'ai le matériel adéquat. Je ferai une petite vidéo sur tous les trucs Fortnite que j'ai. En figurine, etc. Peut-être un jour je le ferai, mais il faut que j'ai du matériel et j'ai pas de caméra, etc. Donc pour l'instant, je peux pas le faire, mais ça coûte très cher en plus. Donc
Ça se fera un jour, je ne sais pas quand. On verra bien, du coup. On a également le retour de la petite danse ensorcelante. Une danse que j'adore, franchement. Je crois que énormément de personnes apprécient cette danse. Pour Mr. Bieber, sorti il y a environ 2 ans. C'est quand même une danse que tout le monde connaît, je pense. Et également la petite emote. Tranquillou, douce et lisse. Du coup, pour 200 V-Bucks. Du coup, les potes, n'oubliez pas le pouce bleu en l'air qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Très important. La petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent dans les prochains jours. Voilà. Et n'oubliez pas le petit code créateur Jenna Gamers qui fera également plaisir pour tous ceux qui le mettent dans la boutique de Fortnite. Sur ce, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Je vous rappelle que demain on est jeudi. Bah, du coup, on est jeudi, on est le 30 juillet, on est jeudi. Et qui dit jeudi, les potes? Et bah, qui dit le jour de défi? Franchement, c'est le jour que j'adore. Depuis 2 ans, limite, j'ai toujours hâte de jeudi pour le défi. On est d'accord, c'est le meilleur jour de la semaine. Bon, pour ceux qui jouent à Fortnite, parce qu'après, sinon, ça vous intéresse pas spécialement. Moi, j'ai très hâte parce que voilà, je suis quand même au niveau plus de 60, 160 passés. Franchement, le skin, voilà, j'ai hâte d'être la 9ème semaine pour pouvoir jouer avec le skin de Chevalier Res version rouge et doré parce que je l'ai entièrement, mais vu qu'on n'est pas encore la semaine pour la débugger, bah pour l'instant, je l'ai pas encore joué. Mais j'ai très hâte. Bref, on se dit à demain, les potes, et ciao!